Alors, bonjour à toutes et bienvenue dans ce dernier webinaire de l'après-midi pour notre premier forum en ligne vers l'emploi. On va clôturer du coup cette série de webinaires par la thématique des compétences. Comment identifier et valoriser ces compétences clés en entreprise? On est ravis d'accueillir donc deux animatrices avec nous aujourd'hui. Anne-Marie Castagnos et Marie-Vonne Mesqui, qui sont bénévoles toutes les deux chez Force Femmes Paris, qui vont se présenter par la suite. Pour vous dire deux mots sur le déroulé de ce webinaire, en fait, on est sur un format assez court, hein. Ça va durer à peu près une heure. L'idée, c'est que Marie-Vonne et Anne-Marie puissent vous partager un petit peu un ensemble de conseils, de bonnes pratiques autour de la thématique des compétences. Vous n'avez pas le son ni la vidéo en tant que participante. N'hésitez pas, par contre, à réagir tout au long du webinaire sur le chat. Vous avez déjà commencé à vous présenter. Et on partagera autant que possible vos questions aux intervenantes. Pour finir, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou les autres de l'après-midi sur les autres thématiques, le tout sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay. Voilà, donc je vous invite à vous y abonner pour avoir accès à toutes les vidéos. En tout cas, bienvenue à toutes et bon webinaire. Merci Mélanie, donc bonjour à toutes, merci pour tous les petits messages de bonjour qui apparaissent sur le chat. Alors je me présente, je suis Anne-Marie Castagnos et pour vous dire d'où je parle, donc j'ai fait une partie de ma carrière chez Orange dans les RH et plus particulièrement dans le recrutement, donc ça veut dire analyser les compétences des candidats. Ensuite aussi dans le domaine de la formation pour préparer les changements de métier en particulier. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie de carrière à l'Institut Mines-Télécom. Et l'Institut Mines-Télécom est un groupe d'écoles, école des mines, école télécom, sur tout le territoire. Et j'étais sur les questions de formation et surtout sur les questions de compétences des ingénieurs en sortie d'école et sur l'évolution de leur métier. J'avais aussi mis en place la validation des acquis de l'expérience dans les écoles télécom et j'ai d'ailleurs dernièrement encore accompagné un candidat qui est passé devant un jury donc au mois de mai. Voilà, donc on va dire que les compétences, je connais un petit peu et donc c'est pour ça qu'on est là avec Marie-Vonne pour présenter un petit peu les choses. Donc, je vais démarrer un petit peu, puis Marie-Vonne va je vous présenter un petit peu notre atelier. Et Marie-Vonne prendra le relais et se présentera à son tour. Donc, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez quand on parle de compétences. Quand on doit faire son CV, on sait qu'on doit, on a entendu dire qu'on doit mettre toute une liste de compétences. Mais concrètement, pourquoi, en quoi c'est important de mettre ces compétences? Pourquoi les indiquer? Est-ce que ça va servir à me vendre? Ça, j'ai entendu ça de temps en temps parmi certaines candidates chez Force Femmes. Dans les offres d'emploi, on trouve, alors donc on va parler, Marie-Vonne va vous parler de en quoi c'est important. Ensuite, on parle de compétences transférables, transversales, de soft skills, mais concrètement, ça veut dire quoi? À quoi ça va me servir? Et puis, comment j'ai pu les acquérir? Alors, une fois abordés ces points un petit peu complexes, mais qu'on va essayer de présenter de manière la plus simple possible, on pourra commencer à traiter un certain nombre de questions. Et ensuite, après ces questions, on vous proposera de voir concrètement, sur un cas concret, comment on peut faire. Voilà. Et à la fin, on terminera bien sûr par des questions, vos questions et tentera d'y répondre. Voilà, je vous souhaite un bon atelier. Marie-Vonne, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes. Je suis en train de mettre un document partagé pour que vous le voyez, un plan qui va vous permettre de suivre un petit peu tout notre atelier. Donc, je vais me présenter très, très rapidement. En fait, je suis bénévole depuis 3 ans à Force Femmes et je ne suis pas une coach individuelle et je ne fais que de l'animation d'ateliers et de l'animation sur la problématique des compétences et la méthodologie
d'un portefeuille de compétences. Pourquoi est-ce que je suis arrivée aux compétences? Parce que, un peu comme Anne-Marie, j'ai travaillé, pas en entreprise comme Anne-Marie, mais dans des centres de recherche. Et après, j'ai terminé, j'ai travaillé très très longtemps à l'université où j'ai monté des services d'insertion professionnelle et où on a travaillé beaucoup sur les compétences. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre européen aussi, de travailler sur les problématiques des compétences. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans ma présentation personnelle. Par contre, un mot d'introduction. Effectivement, quand on doit valoriser ses compétences, il faut d'abord les avoir identifiées. Si vous n'identifiez pas vos compétences, vous êtes incapable de les valoriser auprès d'un recruteur. Anne-Marie vient de vous dire qu'elle entendait certaines des femmes de force femmes qui sont accompagnées, comme dans, d'ailleurs beaucoup de gens le disent, on va se vendre. Moi, je suis comme Anne-Marie, c'est un mot que je n'aime pas du tout. On vend des services, on vend éventuellement des compétences, mais on ne se vend pas soi-même. Donc pour ça, pour éviter de se vendre, il faut effectivement valoriser ses compétences. Et pour les valoriser, il faut les identifier. Donc ça, c'est un premier point, mais c'est difficile. Quand vous regardez une offre d'emploi, Anne-Marie vous en a parlé tout au début, c'est vrai qu'en fait, il va falloir que quand vous répondez à un CV, que vous envoyez un CV, ce CV, il doit être en adéquation avec une offre d'emploi à laquelle vous répondez ou on demande un profil. Bon, par contre, c'est vrai et c'est extrêmement compliqué de répondre à une offre d'emploi parce que quand on les lit, on a toujours l'impression de voir qu'on demande un mouton à cinq pattes. Ce mouton à cinq pattes, j'ai travaillé à l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique. À ma connaissance, il n'a pas été encore fabriqué. D'accord ? Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on lit une offre d'emploi. Il n'y a pas besoin de s'affoler. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Même si répondre à une offre peut paraître inaccessible et très compliqué, il faut aussi se mettre à la place du recruteur. Ce que vous avez été amené déjà à faire vous-même, les unes et les autres, voire vous-même à recruter. En fait, c'est extrêmement difficile. C'est un exercice qui est très compliqué parce qu'on a beaucoup de demandes dans certains cas et par certaines périodes et on n'a pas énormément de temps pour évaluer. Alors, on ne va pas évaluer la personne en tant que telle, on va évaluer les compétences de la personne par rapport à un besoin de poste qui va nécessiter un certain nombre de compétences pour exercer ce poste. Donc, le recruteur n'est pas quelqu'un qui est très tranquille, contrairement à ce qu'on peut croire, et en fait, il n'a pas vraiment le droit de se tromper. Et donc, il a une grille, et c'est vrai que très souvent, il va s'accrocher à sa grille, ce qui peut poser un problème. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, lors des ateliers, m'ont fait remarquer, et c'est vrai, que finalement, leur dossier avait du mal à passer parce que déjà, elles avaient l'impression que dans leur dossier, j'entends par dossier CV et lettres, les compétences, elles n'arrivaient pas suffisamment bien à les mettre en avant, sachant qu'effectivement, le recruteur va vous demander beaucoup de compétences et forcément, vous n'aurez pas toutes les compétences. Mais par contre, vous en aurez d'autres qui pourront compléter celles qui vous manquent ou qui vous permettront d'acquérir celles qui vous manquent de façon beaucoup plus facile et rapide. Bon. Souvent, vous avez aussi le candidat ou les candidates l'impression d'être piégé par le recruteur parce que le recruteur va vous poser des questions et finalement, vous avez l'impression qu'il cherche à vous déstabiliser parce que finalement, il est désagréable. En fait, je ne pense pas du tout que les recruteurs soient là pour vous piéger. Ils sont là à partir d'un certain nombre de questions au cours de l'entretien que vous avez dans la deuxième partie de l'entretien, au moment de la discussion, finalement c'est une discussion, à se rassurer en essayant de vérifier que vous avez bien les bonnes compétences pour pouvoir exercer le poste auquel vous postulez et pour vous intégrer dans sa structure et au sein d'une équipe. Parce que, et vous le savez très bien, ça vous est peut-être arrivé de le voir, ça arrive fréquemment qu'au moment du recrutement, on embauche des gens parce qu'on a l'impression qu'ils parlent bien, qu'ils s'adaptent bien. Et puis finalement, dans la réalité concrète du travail, une fois qu'on les a dans les équipes, finalement, ils ne font pas l'affaire. Et au bout de la période d'essai, on est obligé de les licencier
parce que finalement, ils n'ont pas fait l'affaire. Mais c'est effectivement parce qu'on n'a pas bien, en tant que recruteur, vraiment réussi à cerner leurs compétences. Pourquoi on n'a pas réussi à les cerner ? Parce qu'on n'a pas forcément le temps quand on est recruteur. Et en même temps, parce que le candidat n'a pas été en mesure de les démontrer et d'apporter la preuve de la réalité des compétences. Dans la majorité des cas, les candidats se contentent de lister les compétences, de les énumérer, de les citer, et puis ça s'arrête là. Et donc, pour le recruteur, c'est extrêmement difficile. Un autre point très important qui a été abordé tout au début par Anne-Marie, vous n'y avez peut-être pas porté attention, mais qui pour moi est extrêmement important. Donc, elle a dit qu'on parlait du terme de vente. Moi aussi, je vous ai dit que je n'aimais pas ce terme-là. Et en fait, je pense qu'il faut vous positionner une fois que vous avez trouvé vos compétences bien analysées et que vous êtes en mesure de les démontrer. Il faut que vous soyez du coup ce qu'on va appeler un offreur de compétences. Vous allez les valoriser et face à un recruteur, vous allez les proposer. Et donc, vous allez vous positionner de façon extrêmement positive en offreur de compétences, donc de services, et pas en position de demandeur d'emploi. Et ça, c'est extrêmement important de vous mettre dans cet état d'esprit-là, parce que c'est beaucoup plus positif. Et du coup, vous vous sentez plus en situation d'égalité avec un recruteur, ce qui est quand même le cas, hein. Il recrute des compétences, il recrute un profil, et vous êtes, voilà, vous avez les compétences ou non, mais vous n'êtes pas en dessus ou au-dessus de lui. Donc voilà pour un petit peu démarrer sur l'objectif des compétences. Anne-Marie vous a dit qu'on allait d'abord identifier le pourquoi de l'importance des compétences avant de répertorier les compétences. C'est extrêmement important de prendre conscience de vos compétences parce que très souvent, on vous pose la question et le recruteur va vous les poser et on s'aperçoit que finalement, vous avez l'impression que vous avez très peu de compétences. Et que ce soit en entretien individuel avec votre coach individuel ou en animation de groupe, souvent, vous avez tendance à vous dévaloriser et effectivement à sous-estimer les compétences que vous pouvez avoir. Or, quand vous vous sous-estimez, vous perdez confiance en vous, surtout dans une période où vous êtes en recherche d'emploi, ce qui est le cas actuellement. Et donc, finalement, c'est difficile quand vous vous présentez face à un recruteur d'oser et de vous valoriser. Alors que quand vous avez pris conscience de toutes les compétences et quand vous allez faire ce travail d'identification et puis d'analyse de compétences comme Anne-Marie vous le présentera un peu plus tard, et ensuite de créer une base de données de vos compétences, à ce moment-là, vous serez capable, dès qu'on vous posera une question sur quelles compétences vous avez ou pourquoi vous avez ces compétences, et de les démontrer, vous n'aurez aucun problème pour les démontrer. Et à ce moment-là, vous serez capable de discuter beaucoup plus d'égal à égal avec le recruteur. Donc ça, c'est un point très important. Un autre point qui est important aussi, et qu'il ne faut pas négliger quand on travaille sur l'identification de ces compétences, c'est de vous permettre de vérifier l'adéquation qu'il y a entre le projet que vous voulez monter. Alors, soit répondre à une offre d'emploi ou à des offres d'emploi ou à un projet, c'est-à-dire une création de quelque chose. Et vérifier donc l'adéquation qu'il y a entre votre projet et vos compétences. On s'aperçoit quelquefois que n'ayant pas fait, le tour de vos compétences et une réflexion sur vos compétences, il peut y avoir, dans certains cas, soit une dévalorisation par rapport au type de poste que vous ciblez, ce qui est dommage, même avec toute l'expérience que vous avez, vous êtes un peu mal à l'aise et vous ne savez pas comment vous situer. Ou inversement, on peut avoir des gens qui vont se surévaluer. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'ils sont prétentieux ni rien, mais c'est parce qu'ils ont une mauvaise évaluation de leurs compétences. Et ils vont se situer, par exemple, sur des postes où ils pensent avoir les compétences et ils n'ont pas tort, mais par exemple, le contexte fait que finalement, ces postes-là, ils ne peuvent pas y postuler parce qu'il y a un environnement qui va nécessiter des compétences qu'ils n'ont pas, par exemple en termes de connaissances ou de diplômes, même s'ils ont acquis les compétences. Alors, je vais prendre un exemple un petit peu particulier, mais que j'ai eu avec une femme que j'ai eue dans un de mes ateliers. Elle visait un poste de responsable de service. Elle en avait effectivement, entre guillemets, toutes les compétences techniques. La seule difficulté, c'est qu'elle n'avait pas le diplôme qu'il fallait dans la mesure où c'était un environnement avec des énarques. Bon,
Ben oui, c'est comme ça, il faut le savoir. Il peut y avoir des endroits où le diplôme va être absolument impératif, que ce soit dans des entreprises. Bon, c'est moins fréquent dans les entreprises, et encore quelquefois dans les entreprises, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui vont embaucher tel type de profil ou tel autre type de profil. Tout à l'heure, Anne-Marie parlait d'Orange. Je ne sais pas Anne-Marie, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait France Télécom au niveau des aspects techniques, alors que des gens qui viendront d'un monde plus universitaire ont peut-être ou avaient peut-être un tout petit peu de moins de chance. Bon. Mais en tout cas, c'est important de vérifier l'adéquation qu'il y a entre son projet et son… voilà. Je vais prendre un exemple très caricatural alors là, qui est… J'aurais rêvé, moi, Marie-Vonne, d'être chef d'orchestre. J'aime beaucoup la musique, j'en ai fait. Bon, maintenant, pour rêver, et il faut se dire… Enfin, il faut que je me dise, et je me le suis dit, hein, pour ne rien vous cacher, ben non, je n'ai pas tous les outils, et ce n'est pas maintenant que je vais, même si je voulais me reconvertir maintenant, devenir chef d'orchestre. Et donc, c'est caricatural, mais c'est quand même important pour vous faire sentir l'importance de travailler sur ces compétences. Ensuite, il y a deux derniers points qui sont la rédaction de vos dossiers. Alors, les dossiers, ça va être votre CV. Vous savez qu'un CV… Et j'ai encore vu le cas parce que j'étais en animation d'atelier ce matin, donc je n'ai pas pu suivre l'ensemble de la présentation du forum ce matin malheureusement. Et j'étais en atelier et une des participantes m'a dit « Ah oui, mais moi, je fais un profil LinkedIn très limité et je fais un CV qui est très long. » Effectivement, elle avait un CV très long. Bon, moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt l'inverse. Bon, ça, c'est mon point de vue. Ceci étant, c'est que le CV, ça, il faut que vous le sachiez, c'est quand même une réponse à une question où vous allez présenter les compétences que vous avez pour un poste ciblé. Donc, ça, c'est le premier point. Bon. Donc, si vous ne savez pas quelles sont les compétences que vous avez pour le poste, vous ne pouvez pas faire un CV qui va passer la barrière des recruteurs. Et comme on l'a vu précédemment, comme les recruteurs peuvent être très frileux et qu'ils se cantonnent à des grilles, s'ils ne voient pas les mots-clés qui les intéressent, ben, votre dossier, même s'il est très bon, ne passera pas. Donc, il y a un gros travail d'élaboration et de rédaction du CV. La lettre de motivation, c'est un document complémentaire, vous le savez très bien. Vous avez peut-être fait pour la plupart déjà des sessions d'animation chez Force Femmes ou ailleurs sur comment rédiger ces dossiers. Donc, la lettre de motivation, c'est une illustration par des exemples très concrets de certaines de vos compétences. D'accord ? Et par contre, dans le profil, effectivement, c'est votre parcours, et ça, Anne-Marie reviendra par la suite. C'est important aussi de rédiger, de savoir, de connaître bien ses compétences pour être en mesure de rédiger un profil LinkedIn où les mots-clés en termes de compétences vont pouvoir ressortir, parce que vous savez très bien que tout ce qui est chasse de tête ou cabinet de recrutement passe leur temps à essayer de trouver des profils intéressants sur LinkedIn. Mais s'il n'y a pas les bons mots-clés, ben vous passez à côté. D'accord ? Et donc, ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, on a tenu avec Anne-Marie à vous faire part du pourquoi de l'importance d'identifier ces compétences, qui nous paraît quand même fondamentale avant de pouvoir identifier ces compétences. Avant d'identifier ces compétences, il faut savoir aussi de quoi on parle. Quand on parle de compétences, on met des tas de choses sur ce mot, sous ce mot-là, et c'est très difficile de s'y retrouver. Alors, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent dessus, et vous entendez parler très souvent, alors par contre, un recruteur, quand il vous parle de ses compétences, quand il vous parle de vos compétences, il va vous dire, ben, parlez-moi de vos compétences. Or, dans sa tête, il va penser compétences techniques, qui pour ma part, pour moi, est un mot très incomplet en termes de compétences et très réducteur. Les compétences techniques font partie des compétences, mais ce n'est qu'une partie de vos compétences. Et puis les compétences techniques, elles sont énormes chez vous, et en plus, vous avez eu l'occasion pendant tout votre parcours, parce que pour certaines, vous avez quand même des parcours très longs, d'avoir beaucoup d'expérience et du coup, d'avoir acquis beaucoup de compétences techniques. Et souvent, vous vous cantonnez aux compétences techniques du dernier poste en plus. Donc là, bon, il faut vraiment faire attention à la définition. Vous entendez aussi très souvent parler de compétences transférables, transversales. Alors, qu'est-ce que c'est que ces compétences transférables et transversales?
J'imagine que vous voyez mon PowerPoint. Donc, je vous ai mis que les compétences transférables, alors ce sont des gens très calés qui en parlent le mieux. Donc, je ne me fais que contenter de reprendre ce qu'ils ont dit. Je vous cite juste les gens qui en ont parlé. Je suis partie d'un rapport d'un organisme qui s'appelle France Stratégie, vous connaissez peut-être, qui est très, très intéressant d'ailleurs et qui travaille sur énormément de grandes thématiques. Et je vous encourage très vivement à aller voir tout ce qu'ils font sur l'insertion professionnelle. Vous avez aussi les organismes tels le CEREC. Hein, enfin bon, vous avez plein d'organismes qui existent. Et alors, en avril 2017, il y a eu un groupe de travail avec des recruteurs, des spécialistes, des experts pour définir ce qu'étaient les compétences transférables et transversales relatifs justement à ces thématiques. Alors, ils définissent les compétences transférables comme liées à un contexte professionnel. Et ces compétences transférables liées à un contexte professionnel, je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est opérateur, enfin plutôt opératrice, je vais dire, puisqu'on est avec des femmes, opératrice de production dans un secteur de production va pouvoir faire un transfert de compétences parce que le métier de la production, bah, vous le trouvez, que ce soit en chimie, en pharmacie ou dans d'autres grands secteurs d'activité, si c'est dans ce domaine-là. Okay, donc, vous allez faire un transfert de compétences. Quelqu'un qui est dans le domaine administratif ou juridique dans une entreprise peut faire un transfert de compétences. Ce sont des compétences transférables qui sont liées à un métier, mais qu'on peut appliquer à un autre secteur d'activité. Un deuxième type de compétences transférables sont des compétences acquises en dehors de l'activité professionnelle. Je vous donne un exemple. L'une d'entre vous peut tout à fait être trésorière bénévole dans une association et donc avoir quelques connaissances en analyse financière, en gestion comptable, sans être une experte. Elle peut très bien faire un transfert de compétences, c'est-à-dire utiliser ses compétences acquises dans cette activité extra-professionnelle et les utiliser dans une autre activité, un prochain poste où on aura besoin de ses compétences. Tout en n'étant pas, elle ne se fera pas embaucher, bien sûr, comme comptable. Hein. Ça, c'est évident. Mais elle pourra dire, si on lui demande, mettons qu'elle prenne un service et qu'on lui dit « Est-ce que vous savez gérer un budget ?» Elle pourra dire « Oui, dans le cadre de telle activité, j'ai pu le faire. » Donc, ce sont des activités, des compétences transférables. Les compétences transversales dont vous pouvez entendre parler, ce sont des compétences qui s'appuient, d'une part, sur des savoirs de base nécessaires pour l'exercice d'un grand nombre de métiers, par exemple, tout ce qui est connaissances basiques de la bureautique. Dans tous les métiers, on a besoin de connaissances basiques de la bureautique. Alors, je vais prendre un cas extrême aussi. Dans tous les métiers, on doit savoir lire, on doit savoir compter, on doit savoir écrire. Okay, donc, c'est des connaissances de base. Maintenant, il y a des connaissances transversales qui sont un petit peu plus élevées. Par exemple, une maîtrise de langue. On va vous demander, vous parlez couramment anglais ou je ne sais pas quoi, thaïlandais, chinois, italien, eh bien, cette maîtrise de la langue que vous avez dans vos postes précédents, elle est considérée comme transversale, mais aussi transférable. Voilà. Bon. Et elle peut s'adapter pour différents métiers. Dans les compétences transversales, il y a aussi ce qui correspond à des aptitudes comportementales ou à des savoirs généraux communs à des métiers. Par exemple, savoir gérer une équipe, c'est transversal à plein de métiers, dans des entreprises, dans des activités associatives, dans des activités. Savoir gérer une équipe, dès que vous avez une ou deux personnes à gérer, puis une équipe, vous pouvez les utiliser, ces compétences, et elles sont transversales. La difficulté de ces définitions, c'est que finalement, transférable et transversal, comme vous pouvez le voir, elles sont quand même assez vagues et qu'en plus, elles sont assez, la limite entre transférable et transversal est très poreuse. Et pour moi, ce sont des définitions plutôt généralistes. Donc, pour travailler sur l'identification de ces compétences, excusez-moi, je bégaye un peu. Je suis désolée, mais j'ai été en atelier pendant 3 heures ce matin, donc peut-être que je serai encore plus bégayante à la fin de la, comme me dit Anne-Marie, qui me fait un signe. Bon. Par contre, j'en arrive à un troisième terme de compétences qui sont les fameux soft skills dont beaucoup, beaucoup de gens parlent.
Alors, c'est pareil, on parle tout le temps des tas de soft skills par-ci, soft skills par-là, hard skills, bon. J'ai trouvé au mois de juin, quand je cherchais pour mes ateliers, parce que j'essaie de réactualiser, je fais de la veille bibliographique pour, dans ce domaine-là, pour travailler quand je travaille sur les compétences avec les gens de Force Femmes et avec les gens avec qui je travaille à l'extérieur, dans les autres organismes. Et j'ai trouvé un article de Capital qui m'avait bien amusée et que j'ai trouvé avec lequel je suis assez d'accord, où deux personnes ont été interviewées, ont discuté. Et donc, je vais vous dire, et là je vais vous le lire parce que je n'ai pas retenu par cœur, dans cet article, un certain Michel Barabel, qui est responsable d'un Master 2 Gestion des ressources humaines à l'IAE de Paris, ça dépend de l'Université Paris 1, c'est quand même des diplômes assez reconnus dans le monde professionnel. Alors, je le cite, hein. Il dit que ce terme branché est un fourre-tout, et un peu plus loin, il dit, avec cette terminologie anglo-saxonne, on assiste à un relooking du savoir-être. Et il est interviewé avec une autre personne qui s'appelle Maurice Thévenet. Et ce Maurice Thévenet est délégué général. Alors, c'est un titre un peu compliqué, mais je vous le cite quand même parce que, à tout seigneur, tout honneur, il est à la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, donc toujours en lien avec l'entreprise, en université et en école. Donc, il sait aussi, lui, de quoi il parle. Et il est au courant, enfin il travaille pas mal sur la problématique des compétences lui aussi. Et il dit, lui, il semble qu'on redécouvre l'eau chaude. Les soft skills sont très intéressent depuis très longtemps les organisations, mais en fait avec une autre terminologie finalement. Et l'attention qu'on leur porte, et ça c'est par contre un point très important, l'attention qu'on leur porte va dépendre beaucoup de l'état du marché du travail. Et ça, c'est effectivement très vrai. C'est-à-dire qu'il y a certaines périodes où on va faire très, très attention aux soft skills que moi, je vais vous définir un peu différemment. Et dans d'autres cas, peut-être qu'on y fera moins attention. En marché très tendu, peut-être que les recruteurs feront moins attention aux soft skills. Ils se contenteront effectivement de rester dans leur grille et dans leurs limites avec des compétences techniques et des connaissances très pointu, et l'aspect soft skills les motivera moins. Bon, c'est ce qu'on peut penser. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, bon, c'est ce qu'on peut penser. Alors, par contre, moi, ce que je peux vous dire, et je crois que c'est le cas d'Anne-Marie aussi, puisqu'on a travaillé en travail ensemble toutes les deux, c'est que finalement, ces soft skills, on va les définir plutôt comme, enfin, on ne va pas les définir, ce n'est pas nous qui les avons définis, mais il y a un certain nombre de personnes, ou même de, vous les retrouvez ce terme-là dans les répertoires de métiers et de compétences, vont les appeler des compétences comportementales. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus parlant. Je ne vais pas rentrer dans le détail des compétences comportementales tout de suite, mais voilà, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important dans la mesure et qui est très parlant. C'est des compétences qui montre comment on va agir pour réaliser une activité. Bon. Et donc, je trouve que c'est vraiment très important et c'est effectivement ce que recouvre, c'est exactement la notion que recouvre les soft skills. Hein. Je vais passer à une définition. Alors, c'est la dernière définition des compétences. Je ne veux pas vous noyer sous le terme des définitions. Les précédentes, vous pouvez les avoir en tête, les avoir, savoir ce que ça veut dire. À la limite, moi, j'aurais tendance à vous, et quand je fais travailler les gens dans les ateliers, je pars de cette définition de Guy Le Botter. Alors, quand je dis moi, Marie-Vonne, mais ce qui, c'est pas la, je ne suis pas la seule. Hein. Anne-Marie, je crois, tu es d'accord avec moi. Et puis, beaucoup, beaucoup de gens sont d'accord. D'ailleurs, dans leur article, Michel Barabel et Maurice Thévenet disaient que c'était finalement tout ça. C'était, ça recouvrait les savoir-être qui avaient été définis par Guy Le Botter. Alors, Guy Le Botter, je ne vais pas rentrer dans le détail, certaines d'entre vous en ont peut-être entendu parler. C'est un sociologue du travail qui a beaucoup travaillé sur l'insertion et donc sur les compétences. Alors, il a émis une définition que je vais encore vous lire. Alors, il a plusieurs définitions, mais globalement, ça regroupe ça. Pour lui,
La compétence, c'est l'activation de plusieurs savoirs théoriques, techniques, comportementaux dans un contexte permettant à un individu d'atteindre des résultats ou une performance. Une personne agit avec compétence si elle met en œuvre des savoirs, savoir-faire ou savoir-être dans un certain contexte, que je viens de dire précédemment, en fonction d'un objectif et parvient au résultat attendu. Là, vous avez l'ensemble des compétences. Ces compétences en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, alors je les ai redéfinies, mais c'est, je vous ai indiqué, l'ensemble des connaissances, je sais, les savoir-faire, compétences techniques, voire opérationnelles, c'est un terme que j'apprécie pas mal, je sais faire. Et les savoir-être, ça va être les compétences comportementales. Alors, j'ai quand même mis le mot de soft skill parce que Mélanie qui écoute, elle ne serait pas contente parce que vous avez vu qu'il y avait un focus dans l'atelier, dans la webinar, là, sur les soft skills. Donc, j'ai fait un focus sur les soft skills, mais je ne vais pas me contenter de ces soft skills, je vais quand même parler, moi, plutôt de compétences comportementales. C'est-à-dire, je sais me comporter, je sais agir et comment j'agis. Donc là, je vais arrêter sur la définition des compétences, mais je vais passer la parole à Anne-Marie qui, elle, va rajouter quelques mots pour les compléter et les définir. Anne-Marie, à toi la parole. Alors, juste un petit point d'abord sur les soft skills pour essayer de comprendre déjà pourquoi ce mot est apparu dans notre environnement, tout simplement parce qu'au niveau européen, il y a beaucoup de travaux qui sont menés justement sur les problématiques de compétences, sur tout ce qui concerne la formation tout au long de la vie. Vous avez peut-être entendu parler, la VAE étant une des conséquences d'ailleurs de ce terme de formation tout au long de la vie. Et donc, pour définir quelles sont les évolutions professionnelles, les évolutions de métier, il y a tout un travail qui a été mené au niveau européen sur les compétences. Et donc, se sont retrouvés confrontés la version ou la vision francophone, j'ai dit bien francophone parce qu'il y a les Belges, il y a les Suisses et il y a les Français sur ces questions-là, et la vision anglo-saxonne qui, elle, coupe, on va dire, présente les compétences en hard skills et soft skills, et donc ce qui rappelle d'ailleurs étrangement tout ce qui se passe au niveau informatique, hein, le hard et le soft, donc tout ce qui est en dur, tout ce qui a été acquis, développé, etc. Et le soft, c'est la manière dont vous allez les mettre en œuvre. Voilà. Ensuite, l'autre élément, c'est que Marie-Vonne vous a montré qu'il y avait plusieurs définitions de compétences et que c'était, si vous permettez à un recruteur de lister ses besoins, d'analyser ses besoins, à vous de votre côté de répondre en lissant les compétences que vous avez identifiées pour vous. Et donc, c'est un langage commun, en fait. D'accord ? Ce n'est qu'un langage entre vous et le recruteur. Ce qui est intéressant, et c'est la deuxième partie dont on va parler tout à l'heure, c'est en quoi cela va vous permettre de vous valoriser. Plus vous allez travailler sur l'identification de vos compétences, plus vous allez être sûr de ce que vous, de vos acquis, de ce que vous savez faire, de ce que vous savez, de comment vous comportez au niveau professionnel. Et c'est pour ça que Marie-Vonne vous a donné une sorte d'abécédaire, une sorte de langage, et vous a donné un petit peu des pistes. En dehors de ça, ça n'a qu'une seule utilité, c'est de faire des classifications. Mais on ne va pas se prendre la tête là-dessus. C'est-à-dire que si vous ne savez pas qu'une compétence est un savoir-faire ou un savoir-être, on s'en moque. Ce n'est pas le sujet. Là, on va laisser les personnes dont c'est le métier, qui sont des RH ou des personnes qui écrivent des livres ou qui travaillent sur les concepts en université, dans les grandes écoles ou autres, travailler sur ces questions. Ça n'a comme fonction qu'un guide, une classification qui vous permet de dire, tiens, est-ce que j'ai parlé de mes savoirs? Est-ce que j'ai parlé de mes savoirs techniques? Est-ce que j'ai parlé de mes savoir-faire, la manière dont je fais les choses? C'est juste une grille de lecture, d'accord? Il ne faut pas vous enfermer dessus. Ça, c'est le premier point et c'est un point important, d'accord? On ne sait pas toujours, et moi y compris d'ailleurs, dire si une compétence est dans telle ou telle rubrique.
Voilà, je pense que Marie-Bonne est un petit peu pareil, même si je pense qu'elle est plus douée sur le sujet que moi. Par contre, si vous voulez, même si on considère que le sujet peut être traité par d'autres de manière très approfondie, il est important et fondamental pour vous que vous soyez, que votre projet soit de rester dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes ou de changer. C'est de vous intéresser au discours, à la manière dont sont présentés les secteurs d'activité, dont sont présentés les métiers, dont sont présentées les compétences. Il ne s'agit que de trouver ce langage, cet abécédaire dont je parlais tout à l'heure. Quel est l'alphabet du secteur dans lequel je veux aller ou dans lequel je veux me projeter? Quelles sont les problématiques? Quels sont les types de compétences? Et ça, vous pouvez le voir en regardant les offres d'emploi, en lisant des articles sur les secteurs d'activité, sur les livres blancs des recruteurs. Il y a beaucoup de cabinets qui, pour se faire une pub, produisent des livres blancs. Alors, en dehors du fait que ça produit la pub, ça, c'est intéressant parce que ça permet quand même de voir quelles sont les évolutions vers lesquelles les secteurs d'activité vont avoir tendance à se positionner. D'accord ? Que vous soyez, je vois aussi des questions qui s'affichent, que vous soyez trop diplômé ou pas assez diplômé, ce qui est important, c'est que vous soyez sur les compétences que vous avez. D'accord ? Et par exemple, sur comment on travaille en milieu complexe, on parle aujourd'hui d'agilité, on parle d'intelligence collective, de travailler de manière transverse, de travailler avec des experts, de développement durable, d'éthique, etc. L'intérêt, c'est de vous questionner pour vous dire est-ce que je les ai ? Est-ce que je les ai manifestés ou pas ? Voilà. Et vous allez voir. Je repasse la parole à Marie-Yvonne. Vous allez voir que vous les avez acquises, vous en avez acquises beaucoup plus que vous ne le croyez. Marie-Yvonne ? Anne-Marie, tu as tout à fait raison. Je compléterai juste ce que tu viens de dire pour le terminer en disant que le vocabulaire est important en termes, quand on répertorie ses compétences, pour éviter effectivement d'en oublier. Et le fait de travailler sur les offres d'emploi, comme vous l'a signalé Anne-Marie, et les répertoires des métiers ou les livres blancs ou ce que vous voulez, c'est un moyen aussi de formaliser. Parce que très souvent, vous avez des termes que vous employez et vous ne savez pas comment les en langage commun, si je puis dire, et vous ne savez pas, en dehors des compétences techniques que vous connaissez parce que vous les maniez tout le temps, mais pour les autres types de compétences, quelquefois, c'est plus difficile pour vous. Et donc, il faut vraiment avoir une terminologie en accord avec le secteur pour que le recruteur vous comprenne et que vous compreniez le recruteur. Bon, alors, Anne-Marie vient de terminer son intervention là en disant qu'effectivement, vous avez beaucoup plus de compétences que vous n'imaginez. Alors, avant de passer aux questions, parce que effectivement, moi, je ne fais pas attention aux questions, mais Anne-Marie les voit. Deux derniers slides, et ensuite, on fera une pause avec des questions avant d'entamer la partie plus pratique, et c'est Anne-Marie qui reprendra le relais. Comment est-ce qu'on acquiert ces compétences ? Ça aussi, c'est important de le savoir. On les a définies, mais c'est important de savoir comment on les acquiert. Donc, on les acquiert par l'aspect formation. Formation, alors ça peut être les formations initiales, continues, ça peut être les formations par vous-même, en autodidacte, si je puis dire. Hein. On apprend souvent tout seul. Quelqu'un ce matin m'a parlé en me disant, mais moi je ne dirais pas formation, Marie-Yvonne, je dirais apprentissage. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vous donne des classifications, comme l'a dit Anne-Marie, il ne faut pas rester dans, c'est une grille de lecture. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, on acquiert ces formations par le biais de ces classifications. Formation, expérience professionnelle, alors ça, tout le monde le sait, formation, expérience professionnelle, j'ai juste rapidement rappelé ce que c'était, n'oubliez pas les CDD, les CDI, l'intérim, toutes vos activités d'auto-entrepreneurs, bon, puis tout ce que vous avez fait en tant qui a été rémunéré. Et puis, bien sûr, les expériences extra-professionnelles. Et là aussi, vous acquérez énormément de compétences. Alors, je vais faire après un dernier slide pour montrer comment est-ce qu'on acquiert les compétences dans ces trois grandes catégories. N'oubliez pas quand même, j'insiste dessus, les expériences extra-professionnelles. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous ai cité un rapport de France Stratégie tout à l'heure, donc il y a des gens très compétents, hein. Les gens très compétents quand même, quelquefois ils disent des choses intelligentes, même si quelquefois ils se trompent.
Mais là, ils ont raison, je pense qu'effectivement, c'est un secteur, une catégorie qu'on oublie toujours dans l'expérience. Le parcours, le CV, je repars au CV deux minutes, c'est CV, ça veut dire curriculum vitae. Curriculum vitae, c'est en fait parcours de vie. Quand on dit parcours de vie, eh bien, c'est toutes les expériences. C'est les expériences de formation, les expériences professionnelles et les expériences extra-professionnelles. Parce qu'effectivement, votre parcours de vie ne se limite pas à la formation et au professionnel. Donc, en fait, n'oubliez pas cette partie-là, l'expérience extra-professionnelle. Alors, je vous ai cité rapidement votre environnement socio-culturel, les hobbies, les centres d'intérêt, mais enfin, ça, je pense que vous savez ça. Et quand vous faites avec vos coachs en individuel, on doit vous l'expliquer. Et les activités associatives. Et pour terminer, l'aspect acquisition et vous montrer pourquoi vous pouvez acquérir beaucoup plus de compétences que vous n'imaginez. Donc, quand je vous montre, je ne sais pas si vous le voyez bien, tout le monde le voit, Oui ? Oui, ça se voit, Anne-Marie ? Oui. Eh bien, j'ai mis d'un côté les entrées par lesquelles, donc formation, expérience professionnelle, extra, et j'ai mis les savoirs, savoir-faire et savoir-être, que j'ai redéfini hein, avec tous les termes qu'on a cités précédemment. Eh bien, les savoirs, vous en acquérez dans les parcours de formation, dans l'expérience professionnelle, bien sûr, ça vous paraît évident, mais aussi dans les expériences extra-professionnelles. Bon, je reprends l'exemple de tout à l'heure cité par France Stratégie, trésorier bénévole dans une association, eh bien, j'acquiers des connaissances, donc des savoirs, en finance, même si j'ai fait complètement autre chose et que j'avais jamais une notion de. Tout à l'heure dans le groupe, j'avais une jeune femme qui a été journaliste à la Tribune et elle disait qu'elle n'était pas économiste. Ben oui, c'est pas grave. Eh bien, elle a acquis des connaissances en économie. Certainement, elle est devenue maintenant pas du tout une docteure en économie, ça c'est évident, mais quand même, elle a un langage en économie et des connaissances qui sont certainement bien plus évoluées, en tout cas que les miennes. Même si moi, ça m'est arrivé de lire les journaux et ça m'arrive de lire les journaux économiques. D'accord ? Bon, c'est pareil, les savoir-faire, tout le monde est persuadé qu'on n'en acquiert que dans les expériences professionnelles. Non, quand vous allez détailler vos expériences extra-professionnelles, vous allez voir que vous êtes en mesure d'en acquérir. Ben, gérer un budget, je repars de mon trésorier, gérer un budget. Je ne l'ai jamais fait, ni dans la formation, ni dans mon métier, parce que c'est pas, je travaille dans un métier où je fais je sais pas, du stylisme, par exemple. D'accord ? Eh bien, oui, j'ai pas à gérer, j'ai à créer des modes. Mais par contre, comme je suis trésorière bénévole, eh ben, oui, je sais un peu gérer. Et puis, les savoir-être. Alors, c'est plus compliqué au niveau des formes, des parcours de formation, parce que pour certaines d'entre vous, ça remonte loin, mais quand même, essayez d'y réfléchir. Par exemple, des gens qui n'étaient pas du tout autonomes, eh bien, ils ont quelquefois développé leur autonomie dans le cadre de parcours de formation. C'est très étonnant d'ailleurs, parce que c'est souvent là qu'ils ont pu le mettre en évidence. Puis alors, après, par la suite, ben, ils l'ont bien sûr développé. Donc ça vous permettra après de développer vos niveaux de formation, de compétences. Et on acquiert des savoir-être dans l'expérience professionnelle, bien sûr. Anne-Marie vous a parlé tout à l'heure de comment on agissait dans telle entreprise et comment on réagissait à ce que disait. Bon, et ben voilà, les savoir-être, on en acquiert aussi dans l'expérience professionnelle et alors bien sûr dans l'expérience extra-professionnelle. Donc, quand vous regardez ce tableau, ce tableau, c'est quelque chose, si vous le rapportez à vos compétences, vous allez être estomaqué de voir que vous avez beaucoup plus de compétences que vous n'imaginez. Et que toutes ces compétences, elles vont vous servir, même maintenant, sachant qu'il ne faut pas se contenter de les répertorier au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne vais pas partir de ma dernière expérience professionnelle et je ne vais pas prendre ce dernier expérience professionnelle où je vais voir les savoirs, savoir-faire, savoir-être en prenant la dernière. Si je prends la dernière, oui, effectivement, j'en aurai pas beaucoup. Mais si je prends toutes mes expériences professionnelles et que je remonte un fil du temps, ben, je vais voir que ben, j'ai progressé. Donc, j'ai acquis des savoir-faire, j'ai acquis des savoirs, j'ai acquis des savoir-être, que j'ai effectivement évolué, que j'ai pris des responsabilités ou que j'ai innové. Et finalement,
vous allez vous rendre compte que vous en avez beaucoup. Certaines de ces compétences, bien sûr, vous les avez et vous ne les utilisez pas en permanence. C'est évident, ni dans la vie professionnelle, ni dans la vie personnelle. Et il y a certains moments où on va les utiliser, soit dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle. Mais vous les avez en bagage. Alors, je vais terminer là-dessus avant de vous laisser la parole. Avec Anne-Marie là, on ne fait pas le CV. Parce que j'ai eu encore ce matin, non, ce n'est pas le CV qu'on fait nous. C'est un travail en amont du CV et de la lettre, c'est on répertorie les compétences. Donc, tout ce bagage de compétences, vous le répertoriez, puis vous avez des tiroirs que vous allez tirer, soit pour le CV, soit pour la lettre, soit pour l'entretien, soit pour votre profil. Voilà. Et quand vous aurez fait ce travail, qui est un travail, alors je tiens à vous le dire quand même, mais on vous le redira en conclusion, difficile et qui prend du temps, mais qui est très enrichissant quand on l'a fait, les gens qui le font sont très contents. Ça vous permet de reprendre, de prendre conscience de tout ce que vous avez comme compétence et du coup de prendre confiance en vous. Et ça, c'est vraiment l'objectif de travailler sur les compétences. Je propose qu'on passe aux questions, Marie-Vonne, parce qu'il est déjà… Oulala. Voilà. Bon, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des questions, Audrey? Mélanie? Mélanie? On arrive. Je crois que c'est Mélanie qui nous pose la question. Oui. Alors, il y a quelques questions. Du coup, par exemple, comment valoriser des compétences dans le cadre d'une reconversion et pour ne pas justement repartir de zéro? Donc, ça rejoint pas mal les propos de la notion des compétences transférables. Est-ce que vous pouvez peut-être dérouler un petit peu là-dessus? Alors, sur, si tu permets, Marie-Vonne, sur les reconversions, ce dont on parle, si vous voulez, c'est identifier déjà les compétences que vous avez dans votre parcours, ce dont parlait Marie-Vonne. Ce qu'on va aborder là maintenant en termes de méthode. Et dans un deuxième temps, vous pourrez regarder ce que font les personnes qui sont dans le métier vers lequel vous voulez aller. Et vous allez voir, et vous allez pouvoir comparer, parce qu'il y a beaucoup de choses, on est sur les savoirs techniques, j'ai vu des choses défiler sur les savoirs techniques qui deviennent obsolètes ou qui sont très différents d'un point à un autre, on est d'accord. Mais la méthode d'analyse, la manière dont vous allez réfléchir, ça ne changera pas. Dès l'instant où vous êtes capable de vous poser les bonnes questions, et que vous êtes capable de vous adapter à un autre milieu, vous pouvez faire un transfert de compétences. Les trois quarts du temps, on peut le faire, sauf bien évidemment, dans l'exemple de Marie-Vonne qui voulait être chef d'orchestre. On est bien d'accord que donner des cours d'un côté et devenir chef d'orchestre, ça va être très, 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 très compliqué. Donc, il vaut mieux essayer d'être sur des secteurs assez proches. Mais la première des choses, c'est de travailler sur ses propres acquis. D'abord, avant tout, pour savoir justement si on peut aller les projeter. Il faut déjà les connaître. C'est vraiment cette identification qui est importante. Voilà. Oui, j'ai rien à ajouter là-dessus. Hein. Je suis d'accord avec toi. Okay. On va prendre une deuxième question. Il y a une personne qui parlait de compétences transférables, d'une anecdote, d'une expérience difficile. De compétences qui avaient pourtant été validées par Pôle emploi dans le cadre d'une reconversion, d'une évolution. Et une fois la prise de poste fait justement sur un poste différent, ça s'est mal passé. En fait, elle a eu un mauvais retour de la part de son employeur qui un petit peu lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas intégrer assez vite, qu'elle n'avait pas fait une prise de poste satisfaisante et qui l'a amenée finalement à devoir quitter ce poste parce qu'elle s'était sentie mal à l'aise. Ça rejoint la notion un petit peu plus générale d'une difficulté, d'un échec dans l'identification de compétences transférables. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour rebondir suite à une expérience comme celle-ci?
si je puis me permettre encore, Marie-Vonne. Vas-y, vas-y. Que disait Marie-Vonne tout à l'heure, c'était que quelquefois, ce n'est pas vos compétences qui sont en cause, au sens compétences techniques, savoir-faire. Ça peut être aussi l'environnement. Ça peut être le niveau de compréhension voilà. des attentes des uns et des autres. Et ça, c'est voilà. fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément votre transfert de compétences qui s'est mal passé. Ça ne s'est pas fait forcément dans le bon endroit. Voilà, premièrement. Deuxièmement, quand on transfère ses compétences, on a aussi besoin de faire des formations. Donc, tout dépend de l'accompagnement qui vous a été donné via la formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parle d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il y a des erreurs éventuellement. Oui. Mais il faut, et à ce moment-là, je conseille à la personne qui parle, d'en discuter avec son coach pour faire le point, pour voir qu'est-ce que vous avez appris. De toute manière, vous avez appris quelque chose. Mmh. Et vous pouvez rebondir aussi là-dessus en disant que bon, ben, ça ne s'est pas forcément passé de manière idéale. Et en analysant peut-être avec le coach ce qui s'est passé, mais d'essayer de voir qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous ne feriez pas de la même manière éventuellement ? D'accord ? Vous avez acquis quelque chose, on acquiert. Alors, je sais qu'en France, en particulier, on est échec et mal vu. Alors qu'en fait, ce n'est pas un échec. Ça peut être des erreurs, ça peut être des virages. Voilà. Donc là, moi, je ne connais pas le cas. Donc, je ne vais pas savoir quel est l'impact. Mais je pense que le contexte peut jouer sur la situation. Alors, juste pour compléter ce que dit, alors je partage complètement le point de vue d'Anne-Marie, et pour compléter, quand je vous ai donné l'importance des compétences, le pourquoi c'est important d'identifier ces compétences, j'ai oublié effectivement de dire que, en fait, quand vous faites vos compétences, vous allez aussi être en mesure donc de travailler sur votre projet, hein, de voir l'adéquation. Mais quand on dit travailler sur son projet, c'est aussi, et c'est ce que je te rejoins complètement, Anne-Marie, c'est-à-dire rejoindre l'analyse du contexte. Et est-ce que je veux travailler dans une grande, une petite, une moyenne ? Le type de personne avec qui je vais travailler, est-ce que je me sens d'attaque pour travailler avec ces personnes ? Et c'est important aussi de le savoir, justement, quand on est en reconversion ou dans une poursuite de recherche d'emploi, pour être sûr de ne pas se tromper soi. Parce que la personne va vous prendre parce qu'elle vous trouve effectivement bien, mais peut-être qu'effectivement, après, il y a une espèce d'incompatibilité, pas d'humeur, mais d'adaptation, finalement, à des tempéraments un peu différents par rapport au contexte de l'entreprise. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie, mais les compétences peuvent vous aider, justement, à un travail de fond. Et je pense que… Alors, je te rejoins complètement… les échecs, il n'y a pas d'échecs. Alors, je serais incapable de vous retrouver. Il y a un livre qui a été publié il y a 2 ans ou 3 ans par un certain Charles, je ne sais plus quoi, sur les problématiques d'échecs. Et c'est extrêmement intéressant à lire. Je crois que je retrouve et je ferai passer à Mélanie ou Audrey pour dire que l'échec, ce n'est pas un échec. Et alors, c'est vrai que c'est très franco-français, ce qui n'est pas le cas ailleurs, et qu'on en tire parti. Et même quand on analyse ses compétences à partir d'une situation qui a été difficile ou douloureuse, eh bien, on en ressort quelque chose. Donc, si quelqu'un d'entre vous a lu le bouquin, Charles Papin, je le vois, merci. Donc, c'est exactement ça, Charles Papin, et je vous le conseille à toutes. C'est vraiment un bouquin très intéressant. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mélanie, ou tu veux qu'on a… Peut-être on avance un petit peu dans la présentation. On en garde quelques-unes pour la fin, si on a le temps. D'accord. D'accord. OK, donc c'est moi qui vais prendre… Oui, alors c'est… prend le relais. Voilà. Pour essayer de voir comment on va s'y prendre, et puis j'espère que par ce biais, on pourra répondre à des questions qui se sont affichées à l'écran ou qui ont été posées. Donc, comment on va faire pour analyser les compétences ? Pas le tout de savoir ce que ça veut dire une compétence, c'est comment on s'y prend. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre en fait ce que disait Marie-Vonne sur la définition tout à l'heure, avec, par exemple, le contexte. Quand on parle d'un contexte, comment on décrit une compétence, comment on va décrire une de ses réalisations. On va commencer par décrire ce que l'on a fait et comment on va le décrire. On va commencer par le contexte. Est-ce que c'est une petite ou une grande entreprise ? D'accord ? Puisque, par exemple, si vous êtes DRH dans une petite entreprise ou si vous travaillez dans une PME ou une TPE, vous allez être amené à faire plein d'activités un petit peu différentes. Ça va être, vous allez avoir un travail plus enrichissant certainement
plus variée parce que vous allez être amené à faire beaucoup d'interventions différentes. Par contre, si vous travaillez dans un grand groupe, les grands groupes sont beaucoup plus verticaux et vous allez vous retrouver avec des problématiques beaucoup plus transverses, de relations de pouvoir, de choses comme ça, sont très différentes. Si vous travaillez dans une start-up, pareil, c'est complètement différent. Donc, par exemple, on a eu le cas, vous prenez responsable d'un groupe d'accueil dans la grande distribution d'un côté ou dans un service qui est une ONG et qui a comme objectif de s'occuper de son personnel pour le former. Eh bien, vous n'allez pas manager ou animer de la même manière. C'est-à-dire que dans l'offre d'emploi, vous allez avoir animation de personnes de l'accueil, okay, mais vous allez avoir la même mission, mais vous n'allez pas forcément avoir les mêmes compétences parce que ce n'est pas le même contexte. Dans un des cas, on va mettre le business en avant et donc vous allez manager vos équipes pour répondre au business de l'entreprise. Et dans l'autre cas, vous allez manager vos équipes pour les faire progresser. Ce n'est pas forcément aussi antinomique, hein, pour les faire progresser parce que c'est des personnes en situation difficile qui reprennent pied par le biais de cette association. Voilà. Autre exemple, et là, ça m'est arrivé, c'était une situation d'accompagnement. Donc, c'est une responsable administration des ventes. Hein, donc, c'est l'interface entre le client et puis l'entreprise après une vente. Et donc, cette responsable administration des ventes, ADV, que j'accompagnais, recherchait un poste de responsable ADV. Elle m'envoie une fiche de poste et me dit « Est-ce qu'on pourrait en parler ?» puisque je vais y répondre. Et donc, la description était d'un classicisme confondant. Elle me dit, bah, j'ai les compétences, mais bon, je ne sais pas trop quoi mettre, etc. Et puis, on regarde le contexte. Et en fait, dans l'annonce, et je reviens à ce que disait Marie-Vonne tout à l'heure, très souvent, les recruteurs, ils présentent de manière un peu schématique leurs besoins. Hein. Ils s'inspirent aussi de ce qui est mis ailleurs. Hein. Pour dire j'ai besoin de quelqu'un qui fait de la compta ou qui fait de la DV, point barre. Et donc, ils vont décrire les missions classiques, ils vont décrire des compétences classiques. Puis, quand on regarde dans le contexte, eh bien, à un moment, ils parlent de la grande distribution comme étant un de leurs clients. Ils n'en parlent pas du tout dans l'émission, ils n'en parlent pas du tout dans les compétences, mais dans le contexte. Et en discutant avec donc, la candidate, je découvre que, un, elle avait l'habitude de travailler avec la grande distribution, que, deux, la grande distribution demande des cahiers des charges absolument monstrueux qui font 100 pages, qui font donc comprendre qu'il faut lire et qu'il faut mettre en place derrière. Sinon, on a des pénalités. Tous ces éléments, en fait, on n'en avait jamais parlé, mais elle savait le faire. Et c'est juste parce qu'on s'est posé la question de la grande distribution, donc vous voyez, du contexte d'intervention, qu'on a découvert en travaillant ensemble, qu'elle a dit « ben oui, ça, je sais le faire, je l'ai déjà fait », et qu'on a pu travailler là-dessus, qu'elle a pu le mettre en avant, y compris dans sa lettre de motivation et dans son CV, et ensuite dans son entretien. Bon, elle a eu le poste, je ne peux pas vous dire si c'est tout le travail qu'on a fait en amont, mais en tout cas, elle a découvert, parce qu'on parlait du contexte, qu'elle avait cette compétence. Donc, c'est pour vous dire que tous les éléments dont vous a parlé Marie-Vonne tout à l'heure, c'est-à-dire le contexte en particulier, le type de mission que vous êtes amené à faire, va être très important pour décrire votre activité. D'accord ? Ensuite, l'autre élément sur lequel on intervient, c'est donc le contexte, la mission, et puis le problème qu'on a eu à résoudre. Hein, c'est-à-dire, si je me rappelle d'une de mes expériences, donc je parle un peu du contexte, de la mission, et puis j'explique c'était quoi le sujet que j'avais à traiter, c'était quoi le problème. Et là où ça devient intéressant, c'est comment je m'y suis prise. Et c'est cette partie-là qui est la plus intéressante, puisqu'on en arrive à ce que disait Marie-Vonne tout à l'heure quand elle parlait des ressources. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je savais du système, quels sont les appuis sur lesquels je pouvais m'appuyer, excusez-moi, quels sont les éléments que je connaissais. Au niveau technique, qu'est-ce que je savais faire? Comment je l'ai fait? Comment j'ai réfléchi? Comment je suis allée en parler à d'autres? Par exemple, dans le cas de l'ADV, je connaissais le système du cahier des charges et donc je sais quel est l'impact du cahier des charges. Nous sommes bien dans un savoir technique, mais aussi dans un savoir de savoir-faire. Je disais tout à l'heure que
c'est très difficile de savoir exactement les positionner. Alors maintenant, si on est dans ce type de démarche, avec Marie-Vonne, on s'est dit comment on va essayer de vous proposer des exemples qui soient pertinents pour vous dans la manière de faire. Alors, le contexte, si on reprend les éléments de la définition donnée tout à l'heure par Marie-Vonne, donc je rappelle hein, le contexte, la mission, qu'est-ce que j'avais à faire, quel a été le résultat, bien sûr, et si j'ai des chiffres, autant vous dire qu'il faut le mettre parce que les recruteurs, ils aiment bien les chiffres, et ensuite… qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça manifeste de moi en termes de compétences? Et puis l'autre élément pour, et on va revenir là-dessus, qui je trouve pour moi très important, mais aussi pour Marie-Vonne, c'est qu'est-ce qui m'a plu là-dedans? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Qu'est-ce qui m'a fait dire waouh, ça, mais ça, j'ai adoré! Je me suis plantée, le contexte était vraiment une catastrophe. Peu importe, mais par contre, j'ai aimé être en relation avec d'autres. J'ai aimé être en relation avec le client. J'ai aimé, par exemple, faire telle ou telle chose. Voilà, c'est ce genre de choses vers lesquelles il faut se tourner parce que ça va vous permettre d'identifier ce qui vous plaît vraiment. Et vous allez voir qu'on a un fil rouge dans notre carrière. On a des fils rouges. Et ces fils rouges sont souvent des choses que l'on aime faire, que l'on a apprécié de faire, qui vont se répéter d'une expérience sur l'autre, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, entre guillemets. Ça va vous permettre de voir ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire, et ouvrir la porte justement à des compétences supplémentaires auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, si on applique tout ça à une situation concrète, c'est demander qu'est-ce qu'on allait faire. Alors, on s'est dit, bah, tiens, on va peut-être prendre une offre d'emploi. Et puis, on va travailler sur l'offre d'emploi pour dire, ben voilà, comment on analyse une compétence. Ou une réalité, mais laquelle? Et puis, on s'est dit, ben on va se prendre soi-même comme exemple. Donc, en dehors du fait que ça va nous valoriser et que, ben, après tout, pourquoi pas, parlez-nous, hein, ça fait toujours du bien, surtout dans ces périodes un peu compliquées, un petit peu difficiles. C'est aussi une fonction… un peu de concret. Alors, si on prend la situation à laquelle on est, on a le contexte. Nous sommes membres d'une association qui propose un forum virtuel pour travailler sur une thématique, identifier les compétences qu'on connaît un petit peu, Marie-Vonne et moi. Bon, une fois qu'on a dit ça, que nous dit le contexte? Le contexte nous montre que d'abord, on va utiliser un média qu'on ne connaît pas forcément très, très bien avec Marie-Vonne, premièrement. Donc, il va falloir y aller. Deuxièmement, il va falloir qu'on s'appuie sur d'autres choses. Alors, bien sûr, on a fait des Zooms, on a animé des ateliers, etc. On ne l'a fait que quelques fois. Là, on est dans une première. Donc, il va falloir qu'on s'appuie sur nos propres savoirs de ce qu'on a fait. Moi, j'ai animé des réunions en visioconférence, d'accord. Mais, bon… il va falloir qu'on aille peut-être un petit peu plus loin. Donc, ça montre aussi que ce n'est pas parce qu'on travaille sur une expérience qu'on est le roi ou la reine du système. C'est-à-dire qu'on fait la distinction entre « j'ai manifesté des compétences » et « je suis un expert ». On n'est pas tout à fait sur les mêmes registres. Par contre, on sait faire. On sait à peu près manipuler Zoom, par exemple. Marie-Vonne le sait beaucoup plus que moi d'ailleurs, hein, si avec les slides et tout ça. Bon, peu importe. Premièrement. Deuxièmement, c'est très bien un média comme ça, mais on ne vous voit pas. Et Marie-Vonne et moi, on a l'habitude de faire des formations avec beaucoup d'interactivité. Là, il n'y en a pas d'interactivité. Et ce n'est pas les questions que vous posez auxquelles on essaie de répondre qui vont mettre vraiment énormément d'interactivité. Donc, comment on va faire pour mettre cette interactivité? Ensuite, se regarder à l'écran, si on était tout seul, ce n'est pas top. Donc, ça, c'est le contexte, d'accord? L'autre élément, c'est que dans le contexte, on doit aussi voir quels sont les impacts. Comme on est des bénévoles par rapport à Force Femmes, on n'a pas de lien managérial. C'est-à-dire que Mélanie, si elle n'est pas trop ravie de ce qu'on a fait, elle ne nous demandera plus d'intervenir à l'une ou à l'autre ou aux deux. Mais c'est tout, il n'y aura pas de sanctions, de primes, de choses comme ça qu'il peut y avoir
dans l'intervention qui est menée dans la relation. Donc, ça veut dire que là, dans le contexte, il faut prendre en compte le management. Nous, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Il y a l'image de l'association, ça c'est important, mais il n'y a pas de relation. Par contre, vous, vous devez travailler sur mais c'est quoi mon contexte managérial, c'est quoi mes obligations, parce que là, ça veut dire qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'attend mon manager, qu'est-ce qu'attend l'entreprise de moi. D'accord ? Donc, ça, c'est le contexte. Et puis, on va avancer ensemble. Donc, ça veut dire qu'on va être capable, Marie-Vonne et moi, de collaborer. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Comment on a travaillé. Donc, on collabore. Ensuite, l'autre élément, c'est quoi notre objectif ? Notre objectif, c'est vous faire passer du contenu. On est d'accord ? Mais la fameuse interactivité. Et donc, comment on va faire pour que ça devienne intéressant et pour qu'on puisse travailler. Et donc, on a trouvé une solution, entre guillemets, donc ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train d'expliquer. Alors, sur quelles ressources on va s'appuyer, Marie-Vonne et moi ? Bah, tout le savoir technique, entre guillemets, sur les compétences dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? Comment on... etc. On sait que sur la problématique de la pédagogie, il faut vous rendre acteur. Oui, mais là, c'est difficile de vous rendre acteur. Donc, c'est pour ça qu'on se met en scène. Donc, on a résolu la question, donc une sorte de capacité à résoudre un problème pour essayer de rendre le plus intéressant possible ce qu'on est en train de vous dire, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, on n'est pas sûr que ça va marcher. C'est-à-dire que Marie-Vonne et moi, on n'est pas sûr du tout que ce qu'on est en train d'expliquer va vous éclairer sur la manière de faire. D'accord ? Que vous allez retenir, que vous allez travailler sur le contexte, que vous allez travailler sur l'objectif. Ce que je vous disais tout à l'heure, notre objectif, c'est vous faire passer de l'information, mais essayer d'animer avec du concret et du réel à côté des définitions et autres. Et... l'important, c'est de savoir comment on va répondre, comment on va réfléchir au problème. C'est ça qu'on a essayé de vous montrer. Comment on a déterminé, Marie-Vonne, comment on allait fonctionner toutes les deux. Donc, on ne sait pas s'il sera réussi, mais par contre, on aura démarré. Donc, on pourra dire demain que... tout ce qu'on est en train de ce qu'on a fait, eh bien, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a discuté, présenté des éléments, essayé de vous intéresser. On n'a peut-être pas réussi, mais en tout cas, on l'a fait. Et on a essayé de rester, par exemple, ce que vous allez trouver dans beaucoup d'offres d'emploi, centré client, le client étant vous. C'est-à-dire faire en sorte que ça vous apporte quelque chose. Et dans la manière d'y répondre, dans cette capacité d'analyser la situation, la capacité de trouver des solutions, on a montré des compétences. Donc, maintenant, si je me mets dans la situation de « mais qu'est-ce qui vous plaît là ?» Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut avoir le petit côté « waouh !» Ça m'a plu. Ben, qu'est-ce qui nous a plu à Marie-Vonne ? C'est que ben, justement… on ne sait pas trop faire, mais on y va quand même. Donc, on a un petit côté, Marie-Vonne et moi, hein, on aime bien les challenges. Voilà. On se met un peu en danger. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous avez été dans des situations de première fois. Vous aussi, que ce soit parce que vous êtes en reconversion ou parce que dans vos expériences, vous avez été dans une première fois. Et donc, il est important de les prendre en compte. Et pas forcément prendre en compte le fait d'avoir été super bon. On a été dans une première fois parce qu'on aime bien les challenges. OK. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, pour revenir à cette histoire de contexte de reconversion, certes, avec Marie-Vonne, on aime bien le challenge. Mais est-ce qu'on a envie de faire du challenge tout le temps ? Pas forcément. Est-ce qu'on a envie d'être dans une start-up où on relève un challenge tous les jours ? Pas forcément. Est-ce qu'on a envie d'être dans un grand groupe où le challenge, c'est une fois tous les 36 du mois ? Bah, peut-être oui. Ou alors, on va être dans une PME qui doit réfléchir à des actions complémentaires et il faut monter des projets, etc. Donc,
À partir d'un contexte, à partir d'une envie, vous pouvez savoir si vous avez envie de continuer là-dedans, un peu, beaucoup, passionnément. Et à ce moment-là, vous allez indiquer et vous allez faire des choix qui seront en fonction de ça. L'autre élément, c'est que vous avez vu qu'on transfère des compétences. On a travaillé sur un système de visio, on a travaillé sur l'insertion professionnelle, mais on n'a pas forcément toujours accompagné des personnes en recherche d'emploi. Ce n'est pas du tout la même chose de travailler avec des jeunes qui sont sur leur premier poste et qui réfléchissent à leur parcours. C'en est une autre de travailler avec des personnes qui sont en recherche d'emploi. On a, nous aussi, fait des transferts, d'accord, dans des situations différentes. On a glissé, on sait utiliser un petit peu l'informatique, on l'utilise là, on sait quelles sont les règles de pédagogie, on essaie de s'adapter. Donc, vous voyez, les transferts, on les fait tout le temps et vous les avez fait tout le temps. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle tout à l'heure, la première fois. Voilà, on a toutes des premières fois et c'est important d'y penser et de les analyser comme étant des premières fois. On n'est pas forcément des experts. Hein. C'est le fait d'avoir répété la situation qui peut vous mettre en situation d'expertise. L'autre point qu'on voit très souvent, c'est ce dont parlait Marie-Yvonne tout à l'heure, c'est les mots. Quels sont les mots que je vais employer sur telle compétence? Et là, y a deux solutions. Soit, moi, ce que je propose dans ces cas-là, c'est de regarder, ce que je vous disais tout à l'heure, de regarder tout ce qui est écrit dans le domaine, sur les métiers. Notez les compétences. Et puis, vous vous dites, en fait, cette compétence qui est indiquée là, c'est quoi? Est-ce que je l'ai? Par exemple, l'agilité. Est-ce que j'ai cette compétence d'agilité? Alors, vous allez réfléchir, vous allez penser à une situation à laquelle vous fait penser l'agilité et vous allez le contexte. Vous allez travailler sur votre mission, l'objectif, les résultats. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette situation? Et plus vous allez travailler comme ça à partir de là, plus vous allez avoir une capacité à présenter votre expérience de manière simple, dans lequel il y a tous les éléments pour le recruteur. Vous allez pouvoir même faire des ponts entre telle situation et telle autre. Par exemple, si on reprend sur l'agilité, nous sommes des femmes agiles, Marie-Yvonne et moi, hein, puisqu'on est, on est capable de s'adapter à des situations différentes. Je reprends ce petit exemple. Eh bien, on a eu des premières fois, et c'était la première fois où Marie-Yvonne est arrivée et a animé un atelier, dans son métier, pas forcément chez Force Femmes. Moi, quand j'ai animé les premières visioconférences avec des personnes, 15 personnes, chacune à un bout de la France, c'était des premières fois. J'ai pu les transférer, j'ai pu y penser, j'ai commencé à noter quel était le contexte, pourquoi, quels étaient les objectifs, et puis petit à petit, voilà, c'est ces compétences que j'ai transférées. Je pourrais parler de l'agilité là, maintenant, le fait d'avoir fait cet atelier. Voilà. Donc, partir des compétences qui sont listées dans les offres d'emploi pour vous questionner, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, ce que je vous disais, Marie-Yvonne, de se dire « Ah, mais au fait, tiens, je vais écrire le livre de ma vie et donc je vais raconter mon expérience et toujours avec le contexte, que je disais, les différents éléments qu'on vous a dit avec Marie-Yvonne et toujours avec le point « Qu'est-ce qui m'a plu ?» Et vous allez voir que d'un point à un autre, c'est toujours et souvent les mêmes éléments qui vont vous permettre d'identifier votre moteur, ce que j'appelle moi votre dynamique, vous fait choisir d'aller dans tel ou tel endroit et ce qui vous plaît vraiment. Et les conditions aussi d'exercice, on parlait du contexte tout à l'heure, pour en particulier si vous changez d'emploi, ça peut ne pas fonctionner entre le contexte de l'entreprise et vous, mais vous n'êtes pas forcément responsable. Donc, l'idée, c'est… Marie-Yvonne, pardon, on vous coupe un instant. En fait, on voit pas mal de participantes quitter le webinaire. D'accord. Donc, il y a peut-être des questions. À 17h. Est-ce que, comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Est-ce que vous voulez terminer sur
peut-être une dernière notion, ou est-ce qu'on prend, on prend une ou deux questions qui sont données ? Moi, j'aurais voulu juste, je pense que globalement, Anne-Marie, tu es arrivée à la fin. Oui, 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 tout à fait. Parce que dans les questions que j'ai vues, c'est comment est-ce qu'on met en avant ses compétences. Je voudrais juste dire, c'est une forme de conclusion finalement, hein, parce que la valorisation, elle se fait naturellement quand on a identifié ses compétences, ok, et qu'on a trouvé des exemples. Donc là, une fois que c'est fait, je partirai de ce qu'a dit Boileau. Boileau a dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». Et moi, je rajouterais donc, quand on a bien travaillé sur ses compétences, qu'on a bien analysé toutes les expériences en termes de formation, expérience professionnelle, extra-professionnelle, on va pouvoir les ingérer, les absorber. Et quand on nous interrogera, que ce soit pour répondre à sur un CV, une lettre ou devant un recruteur, ça passera sans problème. Et en fait, comment s'appelle-t-elle ? Anne-Marie vous a bien montré qu'à partir d'une expérience qu'on a vécue là, toutes les deux, Anne-Marie et moi, et qui est une première fois, on tire énormément d'informations. D'accord ? Et que finalement, on y a un peu travaillé, mais rapidement, on s'en est imprégné et on est capable de vous la retranscrire. OK ? Et c'était bon. Et donc, je crois qu'il faut que vous ayez ça en tête. Donc, tout ce que vous allez faire comme travail sera suffisamment clair dans la tête pour que vous soyez en mesure de l'expliquer aux gens. Et puis, de savoir qu'est-ce que je vais sortir comme élément, justement. Parce que votre base de données de compétences, elle va être énorme et vous ne mettrez pas tout, c'est évident dans un CV. Et vous ne direz jamais tout. Mais comme dit Anne-Marie, vous aurez un fil rouge avec des choses qui vous plaisent. Alors, moi, j'insiste aussi sur… Alors, c'est ce que tu disais, Anne-Marie, c'est qu'est-ce qui me fait dire « waouh ». Et ça, c'est très important. Moi, j'avais lu une fois Steve Jobs qui avait dit, vous savez, le fondateur d'Apple, qui avait dit « il y a eu une période où je me suis levée dans ma vie tous les matins et je me disais, c'est génial d'aller bosser ». Eh bien, je crois qu'en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Je sais bien que c'est un peu utopique, hein, mais en même temps, ça peut arriver, se dire finalement, qu'est-ce qui me motive pour bosser ? Et je crois que en faisant ce travail de réflexion sur vos compétences, qui n'est pas du tout un travail de psy, hein, je vous signale, parce que ni Anne-Marie ni moi ne sommes des psys. Donc, c'est un travail, j'allais dire, de réflexion sur, j'analyse de façon pragmatique, avec une définition pragmatique, mes compétences. Et ensuite, j'ai des exemples pour argumenter et prouver. Et alors, je voudrais conclure, si tu es d'accord, Anne-Marie, parce qu'effectivement, il faut qu'on laisse la parole aux personnes avant qu'elles ne partent toutes, c'est n'oubliez pas aussi ce qui est important. Donc, vos motivations, c'est très important. Vos envies, c'est très important, hein, parce qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Mais deuxièmement, aussi, vous avez des valeurs. Et je pense que quand on est en reconversion, c'est important aussi de travailler sur ces valeurs. Et j'en ai vu plusieurs dans les ateliers que j'ai animés qui finalement ont eu des reconversions complètes, qui sont passées de grands groupes à des groupes d'associations, après avoir fait, je pense à une que j'ai eue l'année dernière, à une participante de Force Farm, qui après avoir travaillé au Resto du Cœur, s'était dit finalement les grands groupes, ras-le-bol. Pour moi, j'ai autre chose, je vais donner un sens par rapport… Et je vais trouver, alors elle n'est pas allée travailler au Resto du Cœur, mais ça a été une démarche qui lui a permis de s'orienter vers, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, il faut prendre en compte tout ça. Et finalement, vous allez voir qu'en travaillant sur vos compétences, alors moi, j'allais dire, en faisant un portfolio, mais enfin, bon, vous faites ce que vous voulez, vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez, donc de toute votre richesse, vous allez prendre confiance en vous, et du coup, vous allez trouver, surtout dans cette période qui est un peu difficile. Bon, je m'arrête là, je sais pas ce que tu en penses, Anne-Marie, pour laisser la place à des questions. Voilà. Si tout le monde n'est pas parti, est-ce qu'il y a encore… Non, il y en a encore quelques-unes. Mélanie, tu es partie ou Audrey ? Ah, c'est Mélanie, Audrey. Finalement, comme on va devoir clôturer, c'est vrai qu'on a pris 20 minutes au-delà du créneau. Puis vous avez quand même brassé tout un tas d'aspects. Donc là, c'est, je pense qu'on peut… regarder, mais on a quasiment, on a pris l'essentiel. Après, si on veut, le problème c'est que voilà, si on veut répondre à tout, il faudrait reprendre une heure et on l'a pas forcément. Donc, ce qui était important, c'était de pouvoir aborder une diversité de notions, pouvoir aussi réancrer cet enjeu qui est celui de l'identification et la valorisation des compétences. On a des questions en particulier aussi sur le bilan de compétences, etc. Bon, voilà, c'est vrai que c'est toujours des sujets qui sont difficiles à aborder en quelques minutes. Mais je trouve que
trouve qu'on a eu vraiment un webinaire de qualité avec beaucoup de choses qui ont été dites, des choses à la fois théoriques et aussi très pratiques avec des anecdotes concrètes, riches de vos expériences dans l'accompagnement et de vos expériences de professionnels. Donc, si vous le voulez bien, on va en rester là et peut-être que ça vous donnera envie pour toutes les participantes de creuser le sujet par des lectures ou par d'autres ateliers à venir. Pour clôturer, on vous redit que ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'ensemble des autres contenus qu'on propose plus régulièrement depuis le confinement, puisqu'on a passé l'activité en digital autant que possible pour s'adapter au contexte. Et surtout vous remercier Anne-Marie et Marie-Yvonne d'avoir accepté d'animer ce webinaire qui a priori a suscité beaucoup d'intérêt et de réactions. Ben merci à toi, Mélanie. Merci de nous avoir demandé. Pour ce soir et surtout aux participantes. Et puis j'espère que. D'avoir eu beaucoup de patience parce que c'est vrai qu'après une grande journée, ouais. Quand on est les derniers, c'est pas évident d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc bravo à toutes. Et bonne continuation. N'oubliez pas qu'il y a les ateliers et les coachs individuels. Hein. Surtout, profitez de tout ce que Force Femme vous donne. Ouais. OK. Merci à l'équipe. Hein, merci de Force Femme. À l'équipe de Force Femme. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.